Salut tout le monde, c'est Roro et aujourd'hui on se retrouve pour le 18e épisode de notre Let's Play sur Yoshi's Island. Donc la dernière fois on avait fait le niveau 5-3, si je me rappelle bien, on s'était arrêté au niveau 5-4, donc le niveau actuel là. Et j'avais arrêté tout simplement parce que j'étais mort et que ça faisait déjà 18 minutes et que j'avais pas envie de continuer l'épisode. Donc cette fois-ci j'espère bien pouvoir le finir ce niveau-là. Je vous avouerai qu'entre temps, sur console véritable, je suis allé y jouer, mais je me rappelle plus vraiment de ce qu'il fallait faire en fait. Je suis allé jouer parce qu'en fait, sur la console véritable, j'y joue toujours et je suis en train d'essayer de faire le 100% partout, sur tous les niveaux. Et le niveau là que j'étais en train de faire le 100%, bah, c'était celui-là. D'ailleurs, je crois que j'ai pas arrivé à le faire le 100% à cause des étoiles, il me semble. Enfin bref. Et donc voilà, j'ai été un peu spoil sur le jeu, donc bon. Au pire, c'est pas énormément grave, je pense. Mais enfin bon. J'espère juste que on va finir vite ce niveau-là parce que j'aime pas trop ce niveau-là en plus. Il est un peu fourbe, je trouve. Donc bon. Ah, surtout ces endroits-là. Je vais utiliser une pastèque. C'est beaucoup plus pratique. Si j'en ai encore. Ouais, c'est bon, j'en ai encore. C'est beaucoup plus pratique d'utiliser des pastèques là, pour ce genre d'endroit. Ah, forcément, je me fais toucher en plus. Là, voilà. Et voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir choper les pièces tranquillement. Je vais juste me débarrasser des limaces. Voilà. Ah! Finalement pas si tranquillement que ça. Je pensais pas que même avec la pastèque c'est pas si évident que ça. Là je me rappelle qu'il y avait une fleur par contre. Alors je vais aller chercher un truc à faire. Je vais essayer de pas utiliser deux par contre. Ah ouais mais ça m'a enlevé ma pastèque par contre. Bon pas grave. Est-ce que je peux la choper comme ça? Ouais c'est bon. Parfait. Là, oui, là c'est le pont. Bon, de toute façon, là pour le moment, c'est pas compliqué. La difficulté elle arrive après. Je me rappelais pas que c'était sur ce niveau là d'ailleurs qu'il y avait ce qui va suivre. Mais bon, je vais pas vous en dire. Je vais pas vous en dire plus. Par contre, là c'est bon. Je voulais récupérer Mario quand même. Parce que ça commence à être un peu dangereux là, les 6 secondes. J'aime vraiment pas ces trucs. Je sais pas s'il y a une quelconque manière pour les éviter, mais je trouve vraiment ces trucs horribles. Bon, je vais en profiter tant qu'il est assommé. Ah mais c'est vrai qu'on peut pas les absorber. Ouais. S'il pouvait s'en aller, par contre, ça serait pas mal. Ah. J'espère au moins qu'il y a au moins une pièce rouge. Bah, il y a même pas de pièce rouge. Je sais même pas où est-ce qu'elles sont les pièces rouges. Et ça m'énerve. Là, je vais essayer. Là, voilà. Je les ai eues. Ouais, j'ai eu les pièces, parfait. Là, il y a qu'une seule pièce rouge, par contre. Oh, je l'ai même pas chopé. Bon, tant pis. J'espère juste qu'il y a d'autres, qu'il y a une manière de récupérer des œufs par ici. Il y a qu'un seul œuf. Bon mais tant pis. Je vais le choper, je pourrais abaisser qu'un seul escalier. Je crois que c'est d'ailleurs pas plus mal parce que sinon je crois que ça bloque l'accès à certains scores. Donc bon. Là, voilà. Je pense qu'il faut abaisser celle de droite. Pour enfin l'escalier de droite, je pense qu'il faut abaisser. Je suis pas sûr mais bon. Je suis en train de me dire que ça serait quand même beaucoup plus pratique d'avoir un. Ouais, il y a quelque chose à gauche. Bon, ben vous savez quoi, je vais utiliser un. J'ai pas de pastèque de feu ou un truc comme ça. Si. Ouais, je les utilise jamais ces trucs, ça va m'économiser des œufs comme ça. Voilà, parce que le problème c'est que quand on est sur un escalier, on peut plus. Je suis pas sûr dans ce cas-là que je puisse passer. Eh non. Je pensais que ça m'amènerait plus haut. Bon bah tant pis. Bon je viens de louper du score. Bon au pire c'est pas bien grave mais voilà quoi. C'est dommage. Parce que je crois que tout le score qui me. Je crois qu'il y a pas mal de scores en fait là-bas donc bon. Enfin je crois que c'est essentiellement des pièces mais bon. Enfin des pièces rouges. Bon, il y a l'air d'avoir quand même des trucs.
quoi ça? Des pièces? Ouais. Bon, si vous voulez. Ouais, mais la suite c'est par là. Non, mais il doit y avoir quelque chose en bas. J'aimerais trop y aller, mais je peux plus. Ça, c'est vraiment frustrant, ce genre de choses là où on peut pas revenir en arrière comme ça. Avec tous les récoltables et tout. Vraiment, j'aime pas du tout ça. Il dure longtemps ma pastèque là. Je suis en train de remarquer. J'aimerais bien m'en débarrasser en fait. Voilà, parfait. Comme ça, je vais pouvoir récupérer des œufs et récupérer les pièces qu'il y a là. Si possible. Voilà. Bon, je vais m'en refaire un peu de. La limace là. Voilà. Bon, voilà, c'est bon, je l'ai eu. Et on peut continuer. Il y a l'air d'avoir un truc ici. Je vais d'abord aller voir là. Non, il n'y a rien. Bon, tant pis. Là. Ok, donc il y a l'air d'avoir un truc en bas par contre. Je vois des pièces. Reviens ici, bébé. Mario, merci. Il y a l'air d'avoir des trucs en bas, donc je disais. Oula. Je crois que j'ai loupé des pièces, donc je vais revenir là-bas peut-être. À moins que je puisse. Non, je pense pas que je vais pouvoir la choper là. Je vais remonter. De toute façon, bon, c'est pas bien grave, c'est pas loin. J'ai juste à gaspiller un œuf pour. Oh, bah, j'ai réussi à le toucher en revenant. Voilà. Parfait, ouais. Donc il y avait bien une pièce rouge, j'ai bien fait d'y aller pour une fois. Et donc on va continuer. Hein. Je crois que la difficulté va arriver maintenant. Juste après. Bon, de toute façon, là actuellement. Par rapport à la dernière fois, là on a un checkpoint, donc c'est bon. Mais après, je sais même plus ce que je disais. Honnêtement, là, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai parlé tout à l'heure. Parler à propos du checkpoint, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Ouais, donc la difficulté, je crois qu'elle arrive maintenant, enfin juste après. Par contre, je crois qu'il y a un truc en bas, je crois. J'ai pas envie d'aller à cet emballe là, mais je crois qu'il y a un truc ici. Ouais, voilà. Alors, je sais plus ce que c'est. Ok, une fleur, donc j'ai bien fait de passer par là. Ça, je le sais parce que quand j'ai joué sur ma console, justement, j'avais lancé un œuf et j'ai entendu le bruit du. Le bruit du truc qui s'ouvre. L'œuf est passé à travers, donc bon, je me suis dit qu'il y avait quelque chose et j'ai bien fait de passer. Enfin, sur console. Ensuite, là, oula, là j'ai eu peur par contre. Donc là, c'est là la difficulté. C'est avec cette plateforme qui est, vous voyez, plutôt bizarre. C'est un spectre. Je pense que c'est la meilleure façon de qualifier cette chose. Qui va donc nous transporter un peu partout. Qui va nous permettre aussi d'accéder au score et elle va quand même pardon, elle va quand même essayer de nous tendre des pièges si je me rappelle bien. Là ouais, là par exemple. Non, je crois qu'en fait on peut pas se faire tuer par les pics. Ah. Je crois pas qu'en fait elle nous tende réellement de pièges, proprement parler. Je me rappelle plus. C'est des. Non, j'ai. Ok, je me suis fait toucher par cela. Bon. D'accord. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est bon, on reprend mi-chemin. Allez, c'est reparti. Bon, là, il y a une pièce rouge ici. Voilà. Et ça, c'est des pièces jaunes. Donc, au pire, on s'en fiche. Et on va remonter par là. Comme ça, je chope le score. Voilà, les pièces. Et la fleur. Je vais juste faire un coup d'accélérer. Voilà. Et voilà, c'est bon. De toute façon, on était juste à côté, alors au pire, c'est pas bien grave. De toute façon, c'est fait exprès. Hein. Ils savent très bien qu'on va mourir ici. Enfin, qu'on a la possibilité, en tout cas, de mourir. Parce que c'est vrai que cet endroit-là, pour le moment, on n'en a pas vu grand-chose, je crois bien. Donc bon. Là. Je veux juste... Voilà. C'est bon, j'ai réussi à le rechoper à temps. Voilà, allez, hop, la fleur. On en a combien de fleurs, d'ailleurs ? 4. Ouais, par contre c'est les pièces rouges, ouais, je pense qu'on a loupé pas mal de pièces rouges.
Parce que je pense que c'est le bon chemin, mais l'endroit où que j'ai bloqué, enfin qui m'a été bloqué, voilà, il peut pas nous tuer ce truc. Tant mieux. Ou l'endroit qui a été bloqué parce que je pensais pouvoir passer là quand il y a les deux escaliers qui sont croisés. Est-ce que c'est judicieux de passer par là? Moi, c'est aller. J'ai vraiment peur. D'ailleurs, là, vous voyez la flèche rouge. Ça peut paraître con, mais la première fois, en fait, quand j'ai fait ce niveau pour la première fois, je me suis dit, ah ouais, il me demande d'aller en bas, et j'ai sauté dans le trou comme un abruti. Alors, je sais que ça peut paraître vraiment débile, mais c'est la vérité. Bon, là, par contre, je me suis fail en beauté aussi. Là, allez hop, c'est reparti. De toute façon, c'est pas bien grave. Je veux juste cette pièce-là. Et voilà, on va rechercher le score. Tant qu'à faire, on va pas se priver. De toute façon, c'est que des pièces jaunes ici, je crois. Il y a que la fleur qui nous intéresse. Voilà. Hop, j'ai accéléré. C'est bien de les accélérer, franchement, sur l'émulateur. Parce que c'est vrai qu'il y a des phases un peu longues, comme ça, où on doit attendre. Surtout dans Pokémon, en fait. Dans Pokémon, là, les centres Pokémon, les captures et tout ça, c'est vrai que c'est un peu long. Alors, c'est bien de les accélérer. Bon, par contre, c'est vrai que maintenant que j'ai testé l'accéléré sur l'émulateur, il y a beaucoup de jeux que je trouve trop lents. Mais bon. Enfin, c'est vrai qu'il faut quand même pas en abuser parce qu'après, on n'a plus envie de jouer sur console. Bon, bien que moi, ça soit plutôt le contraire. J'ai un peu de mal à aller sur les émulateurs. Mais j'ai un peu de mal à aller sur les émulateurs. Je préfère jouer sur console véritable. Je trouve ça plus intéressant. Puis bon, après les prises de contrôle sont mieux plutôt que sur émulateur. L'émulateur c'est pratique quand on n'a pas pu jouer à certains jeux qu'on aurait aimé jouer, mais c'est tout quoi. Il y a vraiment. Bon, c'est pas intéressant réellement, je trouve. C'est pas. Enfin, je trouve que les émulateurs vaut mieux faire ça sur des vieux jeux qu'on n'a jamais pu tester, qu'on n'aura plus l'occasion de les tester. Comme des jeux de la NES, de la Super NES, de Mega Drive, des trucs comme ça là qui sont plutôt vieux et qu'on n'aura plus jamais l'occasion de tester. Donc après ça n'engage que moi, mais je pense que c'est mieux de faire comme ça. Les jeux qu'on peut encore jouer, qu'on peut encore se procurer, je trouve que c'est plus intéressant de jouer sur, enfin d'y jouer directement quoi. Là doit y avoir une fleur. Ouais, j'ai entendu un up, donc ça devait être ça. Là, voilà, c'est bon, j'ai réussi à choper les pièces que je voulais. Il y a un œuf. Est-ce qu'il y a quelque chose en haut? Non. Bon, j'ai pas envie d'aller choper l'œuf. J'ai déjà des œufs. Là. Bon, c'est qu'un up. Bon, en plus, je peux choper les œufs comme ça, alors. Alors bon. Oula! Ah, oh, c'est méchant ça. Bon, ça fait 13 minutes. Oh là là. Quand même, là, je galère. Je veux cette pièce. Oh, le fail. Bon, pas grave. Là, je veux cette pièce. On va attendre. Là. Allez, on reprend la fleur et on s'en va. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, je ferai peut-être des coupures parce que c'est vrai que... Là, vous allez avoir vu plusieurs fois le niveau. Quand je disais que, enfin... Moi personnellement cette phase là je la trouve quand même assez compliquée. Bah ça... J'aime... De toute façon j'ai jamais trop aimé les plateformes mouvantes comme ça qu'on est obligé de suivre. Enfin qu'on doit suivre comme ça, ouais. J'en ai déjà vu plusieurs des niveaux comme ça dans plusieurs jeux de plateforme. Et en principe c'est sur ce genre de niveau que j'ai le plus de mal. Et c'est le genre de niveau que j'ai tendance à quitter rapidement quand j'y arrive pas. Mais bon. Là encore, c'est ça va quoi. C'est par rapport à des niveaux dans Mario, il y a des trucs. Je sais plus dans quel Mario c'est, peut-être sur la Wii ou sur la DS, je sais plus. Il y a une plateforme qui bouge dans tous les sens. Je me rappelle plus trop. C'est des cubes bizarres qui bougent et qui nous font un chemin. Il faut suivre le chemin et tout. Je déteste ce niveau. De toute façon, je déteste à peu près tous les niveaux comme ça avec des plateformes mobiles. Donc bon. Faut que j'arrête d'activer ces trucs. Je perds du temps à chaque fois à aller essayer de aller les activer. Là par contre,
Je vais choper ça comme ça parce que je sais qu'il n'y a pas de pièces rouges dans les pièces qui tombent là. Donc bon, tant qu'à faire. Je préfère éviter de me fail. Là. Oh, il s'arrêtait là, bon, j'aurais pu attendre. Parce que c'est vrai que là j'ai eu un peu peur quand même. J'ai cru que j'allais tomber. Là. Alors la fleur. La pièce. La pièce. Eh ben dis donc, j'ai du mal à choper cette pièce là. Là je vais attendre parce que là j'ai les œufs, je pourrais les choper tout à l'heure de toute façon. Je sais pas si je bon, allez, je chope. C'est gratuit. Donc bon, tant qu'à faire. Alors là, il faut que je fasse gaffe donc. Oh, ça m'a fait peur ça par contre. Je vous avouerai que j'ai eu peur hein, sur le coup. Là. Oh là là. Oh non, pas ça, j'aime pas ces monstres. Je crois que c'est la première fois qu'on les voit ces masques là. Oh, je les hais. Là, j'espère qu'il n'y avait pas de pièces rouges dans l'eau. J'ai pas très envie d'essayer. Là, voilà. Oh, il y avait un truc. Un up, je pensais que ça serait des étoiles. Bon, bah tant pis. Bon, c'est pas grave au pire, hein. Voilà. Bon, mais c'est même pas la... Je pensais que c'était la fin du niveau là. Bon, ils vont certainement nous laisser un checkpoint ici, une petite salle comme ça pour se choper des œufs. Avec un checkpoint à la fin pour nous redonner un peu d'étoiles. Et au cas où qu'on meurt, parce que c'est vrai que le boss est quand même pas facile facile, faut le dire. Bon, par contre, bon, je vais les jeter les... Bon allez, je vais rush. C'est bon, j'ai assez d'eau comme ça. Ah oui, en fait, au cas où qu'on n'ait pas encore assez d'eau, ils nous donnent des œufs ici. Mais dis donc qu'ils sont gentils là. Bon, par contre, ce boss, vous allez voir, est très spécial. Rappelez-vous juste de ce ravin. Vraiment, c'est important. C'est vraiment important dans la suite du boss. J'espère que je vais pas trop m'en rapprocher, en fait. Ouais, ouais, mon Yoshi, tu es très fort, mais tu ne connais pas le point faible de mon petit monstre chéri. Ah bon? Mais pourtant, vous allez voir, le point faible de ce... truc... Il est très visible, hein. Je veux pas dire, mais enfin bon. Donc voilà, c'est un boss plutôt particulier et vraiment sympa. Un peu dur, je trouve. En fait, voilà, il faut essayer de toucher son cœur comme ça. Et lui, il va avancer. Et rappelez-vous du ravin. En fait, quand on le touche, on va pas avoir mal. Mais il faut le tuer avant qu'il s'approche trop du ravin. Parce que sinon, on tombe dedans. Et on peut rien faire. Là, je sais plus, je crois qu'il faut le toucher 3 fois. Ou 4 fois, je sais plus. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Mais je sais pas si vous avez vu, mais il y avait la porte juste là-bas, donc on était pas si loin que ça du ravin. Donc c'est... D'ailleurs, au passage, vous aurez remarqué que la mort du boss est quand même un peu... Enfin, je sais pas, moi je la trouve un peu dégueulasse, cette mort-là. Enfin bon. Et donc vous aurez remarqué que la porte était pas très loin, donc vous aurez... Enfin, c'est quand même assez... Enfin, c'était quand même assez juste là, parce qu'il avance quand même assez rapidement, je trouve, ce boss. Donc voilà. Mais voilà. Bon, j'aurais un peu galéré quand même avec la phase, la plateforme mobile, mais enfin bon. Voilà. Et je crois que ce niveau-là, je m'en rappelle plus. Je crois pas que je vais l'aimer. Vu la tête de l'icône, je crois pas que je vais l'aimer. Mais enfin bon. Donc voilà, maintenant qu'on a terminé ce boss, ça fait déjà 18 minutes. Bon, je suis désolé, je pensais avoir le temps de faire un autre niveau, mais vu que j'ai pas mal galéré sur celui-là, eh ben, l'épisode va se terminer tout de suite. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Et donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, et donc salut à tous.